Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un one stroke avec des fleurs rouges. Je pose d'abord ma base transparente, puis sur les autres ongles où il n'y aura pas de nail art, le vernis bordeaux de chez Picture Polish. Les ongles où il y aura le nail art, je pose ce vernis vieux rose. Donc je le pose en une première couche, puis une seconde pour que ce soit bien opaque. Une fois que c'est sec, j'applique mon top coat mat de chez Colorama et je laisse sécher. Donc voici les peintures que je vais utiliser pour ce one stroke, ainsi que le matériel. Je vais vous montrer ici comment je réalise mon dégradé pour le one stroke. Donc j'aime bien le faire sur la paume de ma main. Donc je fais d'abord un côté puis de l'autre et je renouvelle aussi l'opération avant de passer sur mes ongles. Donc la première couche que l'on pose de peinture, c'est sur la, on va dire, la couche d'accroche. Donc c'est pas là où la couleur sera vraiment la plus intense et que ce soit opaque, mais ça va déjà nous guider pour la deuxième couche de peinture. Avec un pinceau de détail et de la peinture blanche, je vais combler les trous qui n'ont pas été peints par mon pinceau. Je laisse sécher et je passe à la seconde couche. Pour l'intérieur de mon pétale, j'ai décidé de réaliser un one stroke monochrome. Donc ce qui veut dire que juste sur un côté de mon pinceau, je vais appliquer la peinture blanche, je vais bien sûr la dégrader sur ma peau et je vais m'occuper de l'intérieur de la fleur. Je vais détourer la fleur avec de la peinture, donc à la base je devais faire un mélange de peinture rouge et noire, mais là je me suis rendu compte qu'elle était beaucoup trop foncée, mais bon, ce n'est pas grave. Je détourne mes pétales et je réalise les étamines de ma fleur. Je décore le reste de mon ongle avec des lignes et des points, avec de la peinture noire. Je termine ce nail art par une couche de sèche vite. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ce nail art vous aura plu. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Ciao ciao !